bienvenue dans votre magazine Parabole. Comme vous avez pu le constater récemment avec la venue du président de la République en Alsace, la région est un haut lieu de commémoration de la fin de la guerre 14-18 et le diocèse participe aussi à ce grand moment historique. Monseigneur Ravel, comme vous le savez, a été évêque aux armées et a beaucoup œuvré pour ces commémorations au niveau national. Parmi les événements alsaciens, Parabole vous en propose trois très différents pour évoquer ce souvenir de cette guerre. Parmi les événements, une exposition sur les aumôniers militaires dans la guerre 14-18. Nous sommes allés assister aux derniers préparatifs des panneaux et des vitrines de l'exposition. On regarde. Alors expliquez-moi, Monsieur Ruch, donc, qu'est-ce qu'il porte exactement, Monseigneur Ruch? Monseigneur Ruch porte deux décorations. Il porte la croix de la Légion d'honneur avec rosette, c'est-à-dire avec le grade d'officier de la Légion d'honneur. Oui, d'accord, oui. Et il porte la croix de guerre. Et il me semble discerner sur cette croix de guerre, sur le ruban de la croix de guerre, la palme. C'est-à-dire qu'il a été cité au plus haut niveau. Ah, d'accord. Il a été cité à l'ordre de l'armée. Et alors, en tant qu'évêque, alors c'est très différent, là, il porte sa croix pectorale d'évêque. Croix pectorale d'évêque. Monseigneur Ruch était évêque de Nancy en 1914. Quand la guerre a éclaté, il a été mobilisé dans l'armée française en tant qu'aumônier évêque. Très humble, il a partagé le quotidien des soldats, se déplaçant sur le front à vélo, par exemple. Il fut par la suite nommé évêque de Strasbourg en 1919. Monseigneur Ruch est une des figures à découvrir lors de cette exposition consacrée aux aumôniers militaires dans la Grande Guerre. C'est Jacques Richard qui l'a réalisé à la demande du diocèse. Nous avons eu l'idée de faire figurer dans l'exposition à la fois des aumôniers d'origine alsacienne ayant servi dans l'armée française et des aumôniers alsaciens, catholiques, mais ayant servi dans l'armée du Kaiser. C'est le problème de l'Alsace. Enfin, pas le problème, c'est la spécificité de l'Alsace. Une place particulière à plusieurs titres pour la région. L'Alsace, qui, je vous le rappelle, était tout à la fois un des enjeux majeurs de ce conflit, hein, puisqu'il s'agissait de ravoir l'Alsace et la Lorraine, voilà. Et en même temps, il a tenu une place tout à fait singulière, puisque sur 330 000, je crois, Alsaciens qui étaient enrôlés, il devait y en avoir 30 000 du côté français et 300 000 du côté allemand. L'aumônerie catholique aux armées trouve son origine dans le concile de Ratisbonne en 742. Depuis, cette présence ecclésiale auprès des soldats s'est généralisée et étendue aux autres cultes, protestants, israélites et enfin musulmans depuis 2005 en France. Leur rôle, aujourd'hui comme en 1914, présence, écoute et accompagnement des soldats. Présence auprès des troupes, présence dans les tranchées, présence dans les cagnas, c'est-à-dire là où les soldats pouvaient se reposer. C'est à ce moment-là qu'une écoute pouvait se faire, hein, avant l'assaut. Hein, mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on se bat? Hein, les questions existentielles. Le militaire, j'aime bien cette formule, il a la mort éventuellement à donner, mais il a la mort à recevoir. Et c'est pas sans conséquence, tout ça. Pour chaque aumônier, du point de vue catholique, il y a les sacrements. L'aumônier célèbre la messe dans les tranchées. Et puis, il célèbre le sacrement de réconciliation d'une manière qui, à l'époque, était révolutionnaire et qui, beaucoup plus tard, après le Concile Vatican II, s'est banalisée, à savoir la fameuse absolution générale. Parce qu'en 1914, il était hors de question d'envisager une absolution générale. La confession se vivait de manière individuelle dans les confessionnaux. Et voilà que l'Église a donné la permission à ses aumôniers de généraliser ce sacrement au moment même où allant monter au combat, il était impossible de le vivre de manière individuelle. Le vernissage de cette exposition ouverte au public se tiendra le 17 novembre prochain au Grand Séminaire de Strasbourg. Un clin d'œil à l'histoire, là encore, puisque pendant la guerre, la chapelle du Grand Séminaire accueillait un hôpital militaire allemand et les séminaristes y officiaient en tant qu'infirmiers. Notez bien que l'inauguration de cette exposition aura lieu le 17 novembre au Grand Séminaire de Strasbourg et qu'à partir du lendemain, c'est-à-dire le 18 novembre,
Elle sera visible à la cathédrale de Strasbourg et devrait ensuite voyager dans divers lieux en Alsace. Nous allons maintenant sur les bancs de l'école. L'église d'Alsace a lancé un grand concours scolaire sur le thème de la Grande Guerre auprès des établissements catholiques d'Alsace. Nous nous sommes rendus dans une classe de CM1 à Colmar et vous verrez que les enfants ont déjà beaucoup de maturité pour réfléchir sur la dureté de cette guerre. On regarde. 2 août 1914, Paris. Mon amour, la guerre commence pour les Français. Ma chérie, je t'écris pour avoir de tes nouvelles. Il fait très chaud et je meurs de soif et de faim. T'écrire me permet d'oublier les horreurs du quotidien. Ce matin, il fait froid. Tout le monde est assis, à rien faire. J'espère que tu vas mieux que moi. Mon très cher amour, je vais très bien, mais le travail est dur à la Croix-Rouge. Mes collègues Irène Curie et Marie Curie sont très gentilles. Nous sommes en train de traverser la Manche. Il fait très froid. Nous sommes presque tous malades. J'espère que la guerre sera courte et j'espère te revoir un jour. Ces lettres n'ont pas été écrites par les poilus, mais bien par ses élèves en classe de CM1 d'une école privée de Colmar. Elles ont été réalisées dans le cadre du concours scolaire de l'enseignement catholique, le thème 1918, guerre et paix. Cette classe a décidé de fournir un dossier pluridisciplinaire. En plus des lettres, certains ont décidé de mettre la guerre en images. Là c'est Marie Curie, là c'est Agnès, une femme qui fabriquait des armes qui reprenait le travail des hommes. En fait, au départ, les chevaux, ils étaient tous dans leur ferme avec les fermiers. Et les soldats, ils sont tous venus leur prendre les chevaux pour la guerre. Là, il y a un chien qui prend un personnage qui est blessé. Par exemple, il saigne de l'œil. Et ben, le chien l'emmène dans l'infirmerie pour le soigner. Que ce soit par la voie du dessin ou celle de l'écriture, leur vision sur la guerre a déjà changé. L'année dernière, on avait fait aussi un travail sur la guerre. Et donc j'avais un peu l'idée de tout ce qu'il y avait à la guerre, mais j'avais pas l'idée par exemple que les animaux étaient dans la guerre. Ça m'a permis de comprendre ce que c'était la guerre en fait. La guerre c'est horrible, mais ça on sait pas parce qu'on l'a jamais vécu en fait la guerre. Ces élèves ne travaillent pas en autonomie. Très bien, et je vais voir Clovis et j'arrive. Ils sont épaulés par leur institutrice, qui voit dans ce concours une manière de les sensibiliser. Un de mes objectifs aussi était d'humaniser tous ces nombres, tous ces chiffres, tous ces nombres de morts, de victimes de guerre, de familles décimées. Pour les enfants de 9 ans, c'est très flou, c'est abstrait. Et en parlant de vraies lettres, de vraies histoires qui se sont déroulées, ben pour eux, ça veut dire quelque chose, il y a une signification derrière. Les élèves ont jusqu'à fin janvier pour rendre leur dossier au jury. Ils devront patienter jusqu'en avril pour savoir s'ils repartiront avec l'un des prix. Je vous propose à présent de prendre un peu l'air. Le 24 octobre dernier, une grande marche était organisée pour la paix. Nous avons enfilé pour vous nos chaussures de marche et parcouru les 5 km qui vont de Schweighouse dans le Haut-Rhin à l'abbaye du Hollenberg. On regarde. Ils sont près de 400 aujourd'hui à braver le vent et le froid pour parcourir ensemble quelques kilomètres. Mais plus tôt, ce matin, ils se sont retrouvés pour un temps plus solennel. Dans ce lieu qui a été particulièrement touché durant les combats de 1914, ils se souviennent de ceux qui ont subi la Première Guerre mondiale. Ils se préparent à marcher pour la paix. J'ai choisi de faire cette marche avec mon fils pour passer un temps un peu particulier avec lui, dans la nature et pour penser ben, justement à tous ces gens qui, à un moment donné, ont connu la guerre, ont dû aller se battre et se rendre compte de la chance qu'on a d'être en paix et puis de penser à eux. C'est parti pour plus d'une heure d'effort, mais pas trop vite. Sur le parcours, des haltes permettent à tous de méditer et de se recueillir. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui
et ses pas traceront le chemin. C'est une étape, c'est un temps dans le quotidien où on s'arrête. Et oui, je pense que ça fait partie de ces petits événements qui permettent de se poser par rapport à un quotidien où on court tout le temps, quoi. Et là, on ne court pas, on marche. L'événement ouvert à tous et sans inscription suscite un engouement inattendu. D'organiser ces événements liés au centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, donc c'est déjà un succès qui nous rassure beaucoup, et puis qui nous montre que des chrétiens sont vraiment partenaires d'un engagement pour la paix, à travers la force de la prière, à travers entre autres des démarches qui sont des marches, car je crois beaucoup personnellement, je l'ai déjà écrit, à des démarches qui ne soient pas simplement intellectuelles, mais où on se bouge tout entier. Les 5 km enfin avalés, étape est faite à l'abbaye de Leulenberg. Les frères accueillent les marcheurs pour leur office de midi. Ensemble, ils prient pour la paix dans le monde. Dieu Tout-Puissant, tu nous as liés ensemble dans une vie commune. Aide-nous au cœur de nos luttes pour la justice et la vérité, à ne pas nous affronter dans la haine ou dans l'amertume, mais au contraire à travailler ensemble dans la tolérance et le respect par Jésus le Christ, notre Seigneur. Il n'y a plus que quelques pas à faire pour rejoindre la grange de l'abbaye et partager le déjeuner bien mérité, réchauffé par un rayon de soleil. Les participants sont résolus à partager ce message de paix dans leur vie de tous les jours. C'est aussi une façon de vivre dans le temps présent par rapport à toutes ces prières qu'on a dites à la fin de l'office et qu'on a partagées avec les frères de Leulenberg qui, par leurs prières aussi au quotidien, nous soutiennent et nous accompagnent. Même les plus jeunes semblent convaincus. C'était amusant de retrouver toutes les personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps et qui sont venues pour un rassemblement. C'était bien. On a appris que cette marche, c'était la marche de la paix. C'est la paix de la première guerre mondiale. Et ça fait du bien de venir, se retrouver ici au couvent, rencontrer un peu les moines, aller dans l'église, c'est super. Sur le chemin du retour, les marcheurs méditent certainement sur cette phrase « L'important, ce n'est pas la destination, mais le voyage ». Pour terminer ce magazine, je vous rappelle qu'une grande quête est organisée en ce mois de novembre par Caritas. Ils ont besoin de vous, la précarité ne cesse d'augmenter. En 2017, près de 35 000 personnes ont été aidées par près de 2 000 bénévoles. Et le niveau de vie de ces personnes aidées était environ de 540 euros par mois, un niveau qui ne cesse de baisser. Des enveloppes seront donc disponibles tout le week-end du 17 et 18 novembre dans les paroisses. Et sachez que vous bénéficiez d'une déduction fiscale de 75%. Alors par exemple, si vous donnez 10 euros, en fait, il ne vous en coûtera que 2,50 euros. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.